Alors, je sais pas si t'as fait gaffe, mais il y a un event Saint-Valentin. Non. Non, Eh non, j'ai pas fait bah, moi gaffe. je te dis, il y a un event Saint-Valentin. Sur Fortnite? Ouais, sur Fortnite. D'accord, ok. Il y a des petites suites de quêtes, il y a 2 pages à faire et à la fin ça donne un héros épique. Ah ouais, tiens. Donc ça, faudra qu'on se le fasse, ça. C'est jusqu'à quand? Et du coup, c'est bon pour le multi-twitch, c'est trouvé. T'as un lien, du coup? Comment ça se passe? Par exemple, je t'envoie ça. Vas-y. TS, TS, là. Tiens, tu vas là-dessus. Et ça fait, en gros, j'ai les 2 streams qui sont l'un au-dessus de l'autre. Ah, pas mal! Ok, d'accord. Donc ça peut être une bonne combo de liens quand on stream à deux sur Bah, par exemple, quand on stream tous les deux du Fortnite ou du Edge du of. Fortnite ou du Age of Empire, ou si jamais on fait du ETS, Voilà, c'est ça. pareil. Donc va falloir le garder dans la Twitch TV, ce lien-là, si tu peux. Comme ça, les gens, Non, ils mais verront. ce qui va se passer, c'est que on va mettre celui de Zaza aussi. Faut juste que j'aille voir exactement son pseudo sur. Twitch, Zazatos. Ah, tu veux mettre tous les streamers sur la même page? Bah, je pense que ce serait pas mal, mais enfin, ce sera seulement ceux qui sont en ligne, quoi. Voilà. Parce que à ce compte-là, si jamais on se fait du multi-Twitch, ce qu'il y aura de mieux à faire, je pense, comment dire, c'est mettre seulement les streams qui vont être en cours, quoi. Oui, bien sûr, oui, bah oui, normal. Non, mais déjà voir que ça marche, bien avec le premier lien que t'as fait pour ça, justement, c'est violent, quoi. C'est la joie. Ouais, complètement. Moi, ça me fait. Alors, voir l'événement. Les lettres perdues, sauver sa mère, pas de rose dans les épines. Ah, il y a 2 pages en plus. Ah, mais ça Ouais, il y a rigole deux plus. pages, ouais. D'accord. Bah écoute, je te propose, enfin si t'es là demain, je te proposerai bien ça demain en stream. Ouais, mais on peut faire ça, y a pas de souci. Peut-être pas faire ça ce soir. Hein. La web TV ne fonctionne pas le week-end. Alors par contre moi là je te vois, enfin ah ça y est c'est bon ça a débloqué. Ouais non, c'est parce que je faisais pas grand-chose. Non mais ce que je veux dire c'est qu'il y a ton image qui était freeze. Ah, d'accord. Du coup, on dirait que j'ai le retard automatiquement intégré, j'aime pas ça. Moi je l'ai laissé de base, c'est pas gênant de toute façon. Talence. Alors moi j'ai débloqué le deuxième palier de recherche. Non, pas encore, j'en suis loin. Donc Ah putain ouais t'as débloqué quelques trucs là. Talent, butin aussi, t'as un truc à récupérer en butin. Ouais. Ah mais ton arbre de recherche il est nul. T'as pas Oui. débloqué beaucoup de trucs. Non, mais j'ai pas autant joué que toi, mon petit Gnimich. Je sais pas, mais regarde mon arbre de talent sur le multi-twitch, tu vas tout de suite comprendre en fait. J'ai bien vu, t'inquiète pas. Mon arbre Ouais. de recherche, hein, pas mon arbre de talent, hein. Ouais, ton arbre de recherche, ouais, on est d'accord. D'ailleurs, t'as débloqué le deuxième palier, toi, apparemment. Ouais, j'ai débloqué la première recherche du deuxième palier. Justement, j'ai envie de te dire, te plains pas. Là, je vais encore booster un peu tout ce que je peux avoir là. Ça va être la violence. Comme d'habitude, je vais faire tout ce qui est offensif avant. Alors, on me parle sur Tutovic. Pas Tutovic, Ah mais j'ai soit TS. entre un fusil RA ou un pistolero rare. Écoute, pistolero. Oh lol.
lol, je viens de te trouver un schéma épique. C'est quoi ça? Un fusil à pompe. 510 de DPS. Oh my god. Ça m'intéresse. Ouais, je me doute que ça t'intéresse, t'inquiète pas. Il est pas difficile à crafter en plus, faut des planches, du minerai brut, des bidules rotatifs et du minerai de cuivre. Ouais, complètement. Ouais, il est violent. Bon, j'ai pas peur de la mort. Et quoi, t'as fait quoi? T'as ouvert un lama? Ouais. Lama printanier. Vous disposez de 92 sur 100, sur 1000 tickets d'artifice. D'accord. À mon avis, ça doit être les quêtes de machin là. Crève-cœur, c'est quoi ça, crève-cœur? Wouah, c'est quoi ça? Va sur les butins et regarde sur l'événement. C'est violent ce qu'ils mettent aussi. Comment ça se fait que j'ai que 92 gold d'événement là? Ouais, je pense que parce que c'est le nouvel événement. Moi non plus, j'ai plus rien. Oh là là, l'arme de mêlée, elle est magique, elle est magnifique. Une belle épée là. Ouais, elle est belle, ouais. Bah, il va falloir essayer de regarder jusqu'à quand c'est l'événement, parce qu'au moins... Il va falloir farmer, ouais. Je crois qu'on va devoir farmer. C'est lequel que tu veux, toi? Dans les butins? Ouais, tu veux le schéma de l'épée? Bah à la limite, ouais. Mais toi, je pense que tu prendras le schéma de... Ah non, il y a un, non, pas celui-là. Le sniper, non. Je sais pas, est-ce que le crève-cœur ou le zapotron t'intéresserait, toi? C'est des snipers, bon, c'est ça qui est cool. Ah non, c'est un épique, pas un légendaire que t'as eu. Ou non, c'est un épique le fusil à pompe, oui. Ouais, mais ça intéresse quand même. Ah mais je me doute que ça t'intéresse, t'inquiète. Je pense que j'ai déjà ce qu'il faut. Attends, je vais t'inviter, on va voir ça pour le faire tout de suite. Rejoindre. Alors moi je sais que j'ai ma défense de bouclier 4 à faire. Ouais, t'as continué. On va pas y lancer. Continuer les quêtes. Parce que moi je suis toujours à sauver les survivants. Ah oui, d'accord. Voir l'événement. La petite ninja là. Ah, attends, héros de soutien. What? Ouais, si t'as débloqué l'emplacement, tu peux mettre des héros de soutien. Voilà. Bizarrement, il y a du changement ici, je trouve. Ah, mais... Quoi? Oh, putain. Ah, ce qu'il y a, c'est que j'ai débloqué des améliorations pour les murs. Tu vois pas que la brique, là, elle est pas pareille que celle d'à côté? Ah oui, tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une amélioration que j'ai dépensée. Enfin, que j'ai acheté. Genre, là, mon mur en brique, il a 185 HP. Lui, il en a 415. 415, ouais. Mais lol, on dirait un mur... Oh. C'est encore plus volant qu'un mur d'acier, ton truc. Les murs d'acier, ça a 220. What? Et 495 si je l'améliore, le mur d'acier. Ah ouais, mais c'est quoi ces améliorations? Et ça marche avec tout? Ouais, même le mur en bois, là, il a 520 HP. Quoi? Un mur en bois qui est plus puissant qu'un... Attends. Attends, je l'améliore encore, là, juste pour rigoler, attends. Mais attends, le premier palier d'amélioration de mur en bois... 805.
Fais le test sur le mur en brique et le mur en acier pour voir c'est quoi le plus rentable. À la finale, je sens que les... Il passe à 645. Ouais, tu t'es amélioré tous les deux deux fois, on est d'accord. Ou t'as amélioré le mur en bois plus que deux fois? Non, j'ai fait... Deux fois chacun. Il doit me rester encore une fois à faire, là, je pense. Ah, t'es pas à fond sur le mur en acier? Ok, ça marche. Là, le mur en brique. Là, je suis à fond, en brique, je suis à 645. Ouais. Et là, je monte à 765 sur l'acier. Mais après, ce qu'il y a, c'est que le bois reste quand même plus fragile que le reste. Hein. Oui, c'est sûr, mais il a 805 PV. Ouais. Alors que de l'acier... Oui. Moi, de l'acier, 765 PV, quoi. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, si, oui. C'est violent, quand même, la différence. Par contre, ça fait bien château fort, c'est pas mal, je trouve, l'amélioration de la brique. Ça fait stylé. Ouais. 765 HP, l'acier. Par contre, l'acier, là, il est beau comme ça. Ouais, complètement. Mais ça te coûte quoi de faire ça? Donc ça demande le coût en construction normal du truc. Mmh. Et pour améliorer, il me faut 20 de ressources. D'accord, c'est tout? Ouais. Mais t'as débloqué ça dans la recherche, j'imagine. Oui. T'as pas mis beaucoup de pièges, non. Hein? T'as pas mis beaucoup de pièges, non. En vrai, je viens pas d'en reposer deux. Comment ça? Bah oui, ici, c'est en manque de pièges de ce côté. Bon, alors, je vais regarder tout de suite pour le fusil à pompe. Ah, mais en vrai, j'en ai plusieurs des fusils épiques. Oh là là, le harceleur du fondateur. Mon dieu. Ah, il me manque. Ah, si, moi j'ai trouvé le schéma d'un fusil à pompe épique. Il s'appelle le tromblon du dragon. Combien de dégâts? 489. Celui que je peux te crafter est 563. C'est quoi les compos? Je t'envoie ça. Alors, pour un bien, je peux te le faire easy. Parce qu'il me manque. Nimish. Oui, c'est bonsoir. Moi. Bonsoir. Oui. Comment ça va? Ça va et toi? Et toi? Ah, tranquillement, grâce à Dieu. Mais dis donc, est-ce qu'il paraît t'es en réunion pour le cast? Et tu ne convies pas? Comme tous les dimanches soirs, mon ami, hein. pas d'habitude, hein. Bon, mais voilà, j'arrive un peu en retard. Moi, je sais pas pourquoi, je sens qu'il cherche les ennuis. Non, mais j'arrive un peu en retard, voilà. Hey, par contre, est-ce que je pourrais avoir le grade de streamer sur le TS? Ça ferait plus propre quand même. Ouais. À l'occasion. hop. Attends, je le trouve. Parce que faut voir où c'est qu'il est, parce que. Ouais, j'imagine bien, ouais. Là. Aïe. Voilà. Ok, nickel. Comme ça, au moins, on voit que je peux streamer, c'est cool. Par contre, donc pour le fusil à pompe, il me faudrait des bidules rotatifs et du minerai de cuivre, si t'as. Je sais pas combien t'as de minerai de cuivre. En gros, un bidule rotatif suffit pour crafter les deux. Et le minerai de cuivre, il m'en faudrait 5 et 8, 13. Si t'en as 13, c'est bien. Si t'en as pas 13, tant pis, j'irai fermer. Quoi? Suis-moi. Bon, mais ok. Qu'est-ce que t'as trouvé? Bon, mais bonne soirée. T'es déjà reparti? Du coup, mère, ouais. Mardi. Ouais. Ouais, c'est bon. Mardi, comme d'habitude. Comme d'hab. Tout seul, okay. Hein. Tout seul, hein. Donc, non. Pardon. Ah non. Là, je blague. En duo. Ouais.
Parce que monsieur ne veut faire que du duo. Ah bon, pourquoi? Parce que ça donne mal à la gorge déjà le duo, alors le solo. Non, ouais. En même temps, je m'entends bien avec Nimish, on se complète bien, c'est plus. Justement, il n'y a pas de raison. Bah, regarde, je fais bien du Fortnite avec Nimish assez souvent. Ou quand on stream, on stream généralement à deux. Ah bah, ils en ont plaisir, hein. Ensuite, il y a Nimish. Bah après, merde, j'ai envie de te dire, tu peux venir streamer avec moi, il n'y a pas de souci, hein. Bah, avec grand plaisir, là même. Me tenir au courant et puis on s'organise ça. Ouais, bah après, faudra voir quel jeu tu joues parce que. Moi je joue que des MOBA en ce moment. League of Legends. Ah, HOTS, ah, ça peut m'intéresser HOTS. Hero of the Star. Ouais, ça fait longtemps que j'y ai pas touché, mais j'aime bien. Ouais, bah, franchement, c'est plus dynamique. Enfin, moi je préfère que League of Legends. Ouais, oui, j'ai une préférence aussi. J'ai une préférence aussi d'HOTS. C'est plus dynamique, tu te pourris pas ta game à 20 minutes pour farm pour avoir un AFK, tu vois. C'est ça. Puis c'est un jeu d'équipe. C'est soit ton équipe est bonne et tu roules sur l'autre équipe, soit ton équipe et les deux équipes sont équilibrées et ça joue, c'est serré. Soit t'as une équipe meilleure que l'autre et dans ces cas-là, bah voilà, tu sais. Ouais, c'est pas mal ça. C'est un jeu où l'expérience est partagée. C'est ça. C'est pas le mec, on va dire que par exemple, t'as pas un seul mec qui va carry la game, c'est pas possible. Ouais, ça c'est pas possible. Non. C'est clairement pas possible. Non. Mais du coup, tu joues aussi à League of Legends, toi? J'y ai joué. Ça fait un an et demi que j'ai arrêté, donc bon. Ah. Mais c'est pour ça que j'avais arrêté pour HOTS. Ouais, mais t'as bien eu raison. Enfin, moi, je maintiens les deux parce que c'est deux jeux différents, donc... Quand j'en ai marre de l'un, je swap sur l'autre, tu vois. Mais ouais, pourquoi pas se faire du stream sur HOTS. Ensuite, tu vois, je suis niveau 37, donc... T'es niveau 37. Encore un grand débutant sur HOTS. Je crois que je suis... Je sais même plus. Attends, niveau 37 ou... Ah oui, non, c'est vrai que les niveaux, ils ont été changés. Le système de niveau était complètement changé. Ah, je sais plus. On va attendre que je sois niveau 500 pour faire du stream HOTS. Déconne pas non plus. Si tu crois que je me rapproche du niveau 500, tu te mets doigt dans l'œil, moi je te le dis. Non, on verra bien. Bon, sur ce, du coup, moi, Gnimi, je te dis à mardi. Toi, tu peux m'ajouter sur League of Legends, si tu veux. Si tu as un compte. Non, je t'ajouterai plutôt sur Battle.net. Sur Battle.net, ok. Je te passe mon identifiant Battle.net. Ouais, écris-le, et comme ça, au moins... parce que je vais plus avoir tendance à vouloir t'inviter en stream sur HOTS. Parce que League of Legends, malheureusement, je suis, comment dire, devenu très, très pourri. Ouais. Alors, je te donne ça... Il est où le hashtag? Je l'ai foutu où? Ça s'organise pour faire... au Cimer, on est en train de voir avec Seb là pour commencer à faire du multi-twitch. Ah, j'ai failli me casser la gueule. Du multi-twitch? Oui. Dans le sens que quand on fait certains jeux, en fait, on va se démerder pour avoir plusieurs POV. En gros, par exemple, là, à l'heure actuelle, si Gnimish te donne le lien, tu verras le Twitch de la Sky Coca Multi Gaming, qui est mon flux, et le flux de la Gnimish de sa chaîne à lui, sur le même écran, sur la même fenêtre, tu vois. Non, d'accord. Donc c'est toujours plus intéressant de, au moins... On me tiendra au courant de tout ça, moi je suis partant. En ce moment, franchement... En termes de coaching, c'est un peu parti en couille, les Sky Coca. Comment ça? Ils ont eu des problèmes internes entre joueurs de la live. Tu coaches sur quoi, en général? Je suis au courant. League of Legends, d'accord. Okay. Je suis au courant, merde. Ça arrive, hein, des problèmes comme ça, de toute façon. Donc du coup, j'ai plus de disponibilité niveau stream aussi. D'accord. Ça fait une semaine en fait qu'on me dit machin, etc. Mais à part les MOBA, tu touches à rien d'autre? Hearthstone. Ouais, Hearthstone, on peut pas vraiment jouer à deux. J'ai un joueur de FIFA sur console, mais j'ai arrêté. Non. C'est pas possible. Ensuite, tu vois, moi j'ai pas de problème à essayer des nouveaux jeux. D'accord. T'as pas de problème à essayer des nouveaux jeux, d'accord. J'en ai un à te proposer. Bah pourquoi pas, c'est un free-to-play. Oui, c'est un free-to-play, oui. D'accord. C'est un peu... on va dire que c'est... Ouais, ça peut être tiré vers le MOBA sans vraiment trop l'être. Avec un mélange de tower defense. Donc, ça peut être mal. Ça par contre, là, tu m'intéresses, là.
Bah, t'as dit un mot là qui m'intéresse. Comment ça? Tower Defense? Ah oui. Bah, Ormus d'Ion Chain, les gars. Il est gratuit? Bien sûr. Mais fallait le dire tout de suite. Mais pourquoi tu crois que j'y joue? Pourquoi tu crois que j'ai streamé dessus vendredi? Parce que déjà je connais la licence, je connais les deux premiers Ormus d'Ion qui sont à Tower Defense avec les héros. Et les deux, ils sont énormes. Oui, ils sont énormes. Et le 3, bah, il est encore mieux parce qu'il se joue en plus avec du PVP. Donc t'as toujours le même principe, tu peux avoir des parties PVP. Ah, ça a l'air pas mal. Bah, je testerai à l'occasion. Bah, tu m'enverras ça sur battle.net et je verrai. Non, c'est sur Steam. Attends. Je vais t'envoyer tout de suite le nom, comme ça moi tu pourras le... Ah ouais, ça rend bien quand c'est juste la fenêtre. Là je dois foncer par contre. Hein. Je te copie juste ça, comme ça moi t'as le nom. Hop, voilà. C'est ce jeu-là. Oh, okay. Je vais te dire un coup d'œil, comme ça, moi, si tu veux streamer, moi, je peux pas... En plus, c'est ce qui est bien, c'est que ça peut faire des équipes de... On peut faire des équipes jusqu'à 3. Bon. Ah, c'est pas mal. Oui. On pourrait faire une petite équipe de 3. Oui. Ok, ben, je vais voir ça. Ça roule. Je vous souhaite une bonne soirée. Toi aussi. Merci à toi aussi, merci. Je vous dis à bientôt. À bientôt. À bientôt. Ben, ça fait stylé, ce que t'as fait, là. Regarde. Eh, ben, c'est... En fait, c'est ça. Ouais. Mais en amélioré. C'est magnifique. Ah merde, faut que je fasse un retour. De toute façon, ouais, t'as toujours les autorisations, toi. Non, c'est pas vrai, j'ai pas rajouté 3 pièges ici. Ouais, non. On n'a rien vu. Bon, par contre, est-ce que tu as des minerais bruts en rab et des bidules rotatifs? Alors, des bidules rotatifs, j'en ai 8. D'accord, il m'en faudra au moins un pour faire 2 fusils à pompe. Il t'en faut qu'un seul pour faire 2? Oui, parce que j'en ai déjà 3. Il m'en faut 4. Ah, il m'en faut 2 par fusil. Posé, voilà. Et du minerai brut, du minerai de cuivre? Oui, cuivre, hein, oui. Il en faut combien? Il m'en manquerait 13. Pour faire les deux? Pour faire les deux. Parce que j'en ai que 3, il m'en faut 8 pour 1. Je vais pas te mentir, j'en avais 42 donc. Wouah! Eh ouais, mec. Alors voilà, 1. Donc je vais juste te montrer le petit joujou d'abord. Hein, histoire de te faire saliver un peu. Vas-y, donne! Voilà. Alors c'est juste moi, il faut que je m'en reprépare un comme ça avant de gâcher les ressources. Ouais, c'est l'automatique en plus. Oh ouais. Non mais tu garderas celui-là, hein. Non, celui-là je te le donne. Non mais je veux pas récupérer un truc que t'as bousillé juste pour le plaisir de me faire saliver. lui, je vais pouvoir le recycler. Fermé, hop. Bon, déjà, on a un problème. Comment tu peux savoir que je vais te donner le bon? Bah, je vais le voir parce que la barre de durabilité, elle sera affichée. Ouais, elle est là. Bah, elle l'a ramassé, connasse. Non? Ah non, je n'ai plus qu'un. Bah si, elle l'a ramassé. Oh, c'est bon, tu l'as ramassé ou pas? Bah oui. Ok, nickel. Moi je suis monsieur ramassage, moi. Du coup, ouais, apparemment, les espèces de petites tours qu'on avait vues là. Ouais, bah ouais, elles sont allumées, mais je sais pas à quoi ça correspond. Moi je peux pas les activer, rien. Est-ce que toi tu peux faire quelque chose de... Ouais, d'accord! Amplificateur. Parce que t'en... Ah d'accord, tu peux pas... Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un nouveau symbole. Il y a un nouveau symbole qui est apparu sur la carte. Pourquoi tu dois le défendre aussi? Ah bah bien sûr. D'accord. Pense à faire un pont entre les deux, si tu peux. Tu veux un coup de main? Ouais, parce que j'ai pas trop de ressources en fait, il faudrait que j'aille farmer. Tu veux quoi, de la brique, le pref? Si possible, ouais, de la brique, au minimum. Merde.
Par contre, je te laisse faire des modifs, je pose des murs tout autour, je te laisse faire. Ah ouais. Tu fais une porte comme tu le sens. Alors, ce qui va se passer déjà pour commencer... Merde, je l'ai amélioré celui-là, bon c'est pas grave, j'ai la porte, on va la faire là. Parce que je peux pas faire un tunnel pour aller de l'un à l'autre, à moins que je fasse avec des escaliers et des conneries. Un tunnel? Ouais, genre ça... Ça... Si, ça peut être faisable. Après là, on part en escalier à partir de là. Et on fait ça... Ça... Et là, on ferait ça, ça... j'ai plus assez de pierre. Vas-y, je te mets le reste. En gros, ce serait ça. Ouais, parce que du coup, les deux autres aussi, on peut. Et du coup, attends, regarde. Tu sais quoi, Gdimi, je vais te faire plaisir, regarde. Tu vas voir. Je vais te rendre ça beau. Tu foires déjà en fait. Pourquoi? Comment ça, je foire déjà? C'est celui-là au moins. Non, c'est celui-là. Ah oui, merde, quel con. Oups. Non, parce que l'escalier, enfin. Ouais, oh, ça va, c'est bon. On va le réparer, mais. Alors, du coup. Va falloir foutre des pièges tout autour. Ah ouais, ça va me coûter la masse de compo tout ça. Va falloir foutre des toits et des sols tout autour aussi. Par contre, va falloir faire un escalier à l'intérieur pour pouvoir monter, parce que sinon on va se retrouver couillon à pas pouvoir monter en haut, tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je fais? Bah je mets des trucs pour pouvoir placer des pièges après. Mais lol. Bon, là par contre on va éviter. Ah oui, exact. Tu mets tout en quoi? En bois? Tu mets tout en bois? Ok. Pour ce qui est de l'extérieur, ouais, parce qu'il n'y a pas besoin. Mec, viens voir! Viens là où je suis! Ah, mais j'ai un double saut, c'est vrai! Alors, tu peux m'expliquer ce qu'il y a un nain de jardin qui fout dans mon mur là? Tu vois? Mais c'est quoi ça? Bon alors Tu veux que je le remette ton mur? Attends. Non, pas besoin. Alors. Attention, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais? Ah, les pièges. Pour mon arsenal. Ouais, je suis pas... S'il y a certains endroits de piège, je les aurais pas mis, parce que bah, t'as la falaise juste à côté, mais bon. Ouais, non, si, ça peut le faire quand même. Il va pas nous en mettre tout le tour, quand même. Mais lol. T'es parti pour en mettre tout le tour ou quoi? Oui. Attends, parce que là c'est que les murs, hein. Je vais en mettre sur les deux, sur au plafond et au sol aussi. J'ai pas autant de compo que toi, moi. Attends, 1, 2, 3, 4. Ah non, les compos, je suis à la ramasse, un truc de ouf.
Ce mec est sérieux. Impossible. Impossible. T'as entendu, impossible. Non, c'est pas potable, il a dit. T'es pas potable. Ouais, non, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là. Mais fallait me le demander, je t'aurais mis le reste. Pourquoi tu mets du bois? Parce que j'ai plus que ça. Oui, et encore, là, il faudrait que je commence à partir en métal. Parce que ça, en fait, ça va juste être la dissuasion pour éviter qu'ils prennent le chemin en terre qui se frotte à tous les pièges qui sont sur le contour. Parce que je te dis, là, en fait, est-ce que tu as des... Oula. Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que t'es? Qu'est-ce que t'as fait? What? Mais qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Doucement, avec les pièges, doucement. Oh mais le mec quoi. Regarde-moi ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, non, arrête-toi tout de suite. Stop. Non. Et voilà. Merde. Allez, fail. Voilà, il a tout cassé, voilà. Et il met de l'acier, bah tout va bien. C'est pas grave, ça sera que plus résistant. Ça se voit pas, c'est rien. Osef s'est caché. Bon, donc... Ah ouais, ça par contre pour le plafond ça coûte beaucoup plus cher d'un coup là. T'as combien de poignées de boulons? J'en ai à peine une petite vingtaine. Non, poignées de boulons. Des poignées écrou de boulons. Et boulons là. 45. Y'a moyen, je te les chour? Non. Attends, je... parti où? Par contre du coup la tour elle sert à quoi du coup exact pour faire ça exactement? Ça doit être pour l'extension du bouclier parce que ça me demande d'activer l'extension du bouclier. Ah donc tu devais le poser, donc c'est dans l'histoire. Ok, d'accord. Quoi est-ce que tu rigoles? Alors, 1, 2, 3 supplémentaires. Qu'est-ce que t'as fait? Il est où?
mais... Mais non. Ce mec est un grand malade. Affirmatif, chef. Il en faut 1, 2, 3... Alors, il en faut 1, 2, 3, 4, 5 pour ce côté-là. Construisons. Merde, non. Tu la mets pas, celle-là. Non, celle-là, c'est fait exprès, parce qu'en fait, si les mobs, ils arrivent d'ici, ils passent tout droit, ils vont directement sur le truc. Alors là, par contre... Ce mec est complètement cinglé. Oui, et je l'affirme et je le confirme même. Tu le cries haut et fort, c'est ça? Deux secondes, je protège ça. Comment ça, tu protèges ça? Bah... Ah oui. J'y protège. Quand même, parce que... Tu sais, les mobs qui envoient à distance, là. Mm-hmm. Bah... J'y protège au moins, parce que bon, ça fait partie du signal de la balise, quoi. Donc si ça s'est abîmé, c'est tout le machin qui prend. Manque un bout, non? Ouais, c'est normal. C'est normal. En fait, je laisse ouvert pour avoir accès à la partie du toit. Tu me diras quand tu veux que je te mette le mur en acier qui est devant toi. Non, mais acier, j'en ai encore 576. Ah, bon, ça va. Oh, je dis ça parce que j'en ai encore 620, c'est pour ça que je te dis ça. Ah, mais t'inquiète pas, il y a un moment je vais me faire une séance farming pour améliorer toute la base. Je vais tout passer en métal et je vais tout améliorer. T'inquiète pas pour ça. Parce que là, Pierre, je suis à 1. Il m'en reste 295. Je n'ai pas mal bouffé avec tout ça. Bah écoute, si tu m'en si tu m'y donnes les 295, là, moi je vais tout améliorer tous les murs là. Hein. Pas compliqué, hein. C'est comme ça que ça va se passer. Tu pourras jamais améliorer tous les murs en pierre, c'est pas possible. Non, pas tous. Mais une grande partie. Parce que bon, le. Ouais, tu l'as vu venir aussi celui-là. Ouais, ouais. Enfin, quoi que tu me diras, enfin, j'étais pas obligé de l'enlever. Ouais, non, exact. Ouais, parce que le seul moyen d'accéder en haut là, c'est pas passer par ici, donc. Bon, après, ça évitera quand même. Des petits soucis. Tu veux lancer ton bouclier 4? Vas-y. Attends. Merde! J'ai mis un coup de pioche dedans. Putain, et puis j'ai pas assez de pierre pour le réparer, comme un connard. Alors, si là, j'ai fait. Voilà, monsieur. Donc là. Elle donne où cette porte? Ça, c'est pour remonter là-haut. Oui. Ça, c'est pour sortir de ce côté. Oui, et ça c'est pour sortir de l'autre ça, côté. Ça c'est pour sortir de l'autre côté. Et là il y a l'escalier pour monter au-dessus. Alors je peux te dire que si jamais il y en a qui arrivent à passer cet endroit. Tu veux qu'on fasse un test pour vérifier? On laisse tes pièges travailler? Alors si je m'écoute, d'abord. Je vais farmer 998 de pierre. Aïe aïe aïe. Et après, on ferait ça.
mais tu vas pas t'écouter. Ah si. D'accord. Pas de mal alors. Ah si si, moi c'est je go hein. Surtout qu'en plus de ça, il y a les streams qui sont en train de tourner là. Oui, t'as remarqué aussi. Petit stream improvisé. Non mais je vais y laisser moi. Hein. Petit stream improvisé. Complètement ouais. En mode test et détente, tout va bien. On est en pleine réunion stream, mais on stream, tout va bien. Non mais enfin réunion. Ah mais t'as quand même quelques compos quand même toi. Du coup, carte. On va aller à l'endroit le plus rentable qui soit. Tu veux que je te dise, un truc? Ouais. Pourquoi on commencerait pas les événements de la... Alors, de... Je t'explique d'abord, moi je vais farmer. Ah bah... Ouais mais... Ouais. Bah écoute, au pire je validerai ma quête des survivants, comme ça moi ça sera fait. Tant qu'à faire. Ouais bah tu sais quoi, le temps que moi je farme mes compos là, toi t'as qu'à aller chercher des survivants. Hein. Ouais, faut mettre une, mettre une mission avec des survivants. Abandonner. Comment on fait pour abandonner? Oui, abandonner. Alors, bouge pas, je reviens, je vais aux toilettes avant de lancer. Et après, je vais mettre une mission sauver les survivants. Nickel. Ouais, bon. Alors. On sélectionne la mission. Seb. Vas-y, sélectionne. Mais déjà, ouais, faudrait peut-être que tu m'invites. Invité, Seb. Invité. Ouais, il y a Mr. Genki. Il est connecté à Epic Games. Je sais pas s'il veut venir. Ah d'accord, toi t'es comme ça, tu lances tout de suite, on s'en fout. Bah oui. Qu'ils viennent ou qu'ils viennent pas, on s'en fout, hein, comme ça. T'es comme ça toi. Puis ce qui est bien en plus sur le multi-twitch en fait, t'as les deux chats qui sont séparés. Bah, je sais pas, je les vois pas. moi je les vois. C'est pour ça que je te disais comment je pourrais récupérer le chat de la... De la web TV quand je stream quoi. C'est pas pratique pour répondre aux gens. En fait, bon, alors tu m'en veux pas, toi tu vas avoir 20 minutes de farming de survivants, moi je vais avoir 20 minutes de farming de ressources. Bon, mais de toute façon je dois farmer des ressources aussi donc tu sais. Oh un bus, y'a moi le bus. Alors je préviens, moi ça va être fort passionnant. Oh, j'ai l'air d'avoir quelques bugs, faut que je vérifie ça. Ouais, j'ai quelques petites pertes. Je vais couper ça. J'ai l'impression que mon Twitch, mon live a planté.